pure marfagli, crusagli, le tengono la sei comandà. N'est-ce pas? Mais au moins chose, il fallait les laisser gagner. C'est ce qu'on a fait, monsieur le ministre. On a laissé les Gambiens gagner. Monsieur le représentant du président du Haut-Conseil, monsieur le représentant de la ville de Dakar, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basketball, maître Babacar Ndiaye, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, Ibrahim Ba. Monsieur le président de l'association de la presse sportive du Mali, notre cher ami Oumar Baba Traoré, qui est parmi nous aussi représentant du président de l'AIPS Afrique, comme Michel qui est en chef. Monsieur le président de l'association nationale de la presse sportive du Gambie, notre cher ami Moussa Cissé et sa délégation. Monsieur le président de la fédération sénégalaise d'athlétisme, notre cher ami Sarawali. Voilà, c'est bon. Chers partenaires sans lesquels cette organisation se révèle, particulièrement notre sœur ici présente qui représente Sonatel Orange, merci encore pour l'affection, merci pour la considération. C'est extrêmement important. Monsieur le représentant du directeur général du corps autonome de Dakar, chers lauréats, chers amis du 12e Guinée, chers amis de l'ECASA, chers sportifs, chers membres de l'Association nationale de la presse sportive, particulièrement des cellules régionales, Sédou, Saint-Louis, Louga, Matam, Thiès, Gigachor, qui ont tous venu représenter et participer à cette fête de l'excellence, dans ce temps qu'est Soram. Cette excellence est incarnée cette saison par Amadou Diagne, de la génération Sadio Mané, 5 points pour le Sénégal, qui est au record à celui du 2 francs de la lutte avec sans frappe, bien sûr. Le roi des arènes de Monsieur ici présent, mais aussi de nos vaillantes lions de basketball qui ont davantage marqué le ballon à l'état du premier match. Franchir le premier tour dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est extrêmement important. Chers amis sportifs, monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département extrêmement important dans la vie d'une nation. Parce que le sport, ce n'est pas qu'une activité physique. Il est aussi et surtout au moyen d'inclusion sociale et d'intégration. J'ai entendu une fois le premier ministre me dire que vous êtes le totem de la République. En tout cas, pour nous journalistes, si on se limite aux faits, les faits étant sacrés, le commentaire étant libre, ça peut se vérifier. La preuve, c'est que le Saint-Séguard n'est pas aujourd'hui avec nous, pour la bonne et simple raison qu'il est parti accueillir l'équipe nationale de Beach Soccer, qui est sacrée pour la 5e fois champion de Beach Soccer. Sur cette raison, la présence de son vice-président, premier vice-président de la Fédération Sénégalaise de football, par ailleurs, président de la Ligue professionnelle, notre ami Sahir Sek, en effet, l'association de la presse sportive sénégalaise qui a été portée ici en 1970 par le vaillant journaliste sportif, notamment Pate Fanti, l'Égyptien, feu Seri Alicissé et Babacar Mouré-Ndoye, contribue à jouer un énorme rôle dans cette intégration dont je parlais tout à l'heure. D'emblée, il faut se targuer d'être un des doyens de la presse sportive africaine. Donc voilà 48 ans que l'ANPS s'est d'abord investi dans le rafraîchissement des liens entre les journalistes.
mais ça fait aussi 48 ans qu'elle s'organise au niveau national, au niveau continental et au niveau international. C'est d'ailleurs pour cette expérience que nous avons eu l'honneur d'accueillir ici l'ensemble des journalistes sportifs africains pour lutinaliser la IBS Afrique. La sortie de sa léthargie, c'était en 2013 et c'était sous le magistère de notre doyen, Dr. Omar Koumé. Cette chose a été faite dans la rigueur et dans le professionnalisme. Donc c'est dans la continuité aujourd'hui que nous, jeunes générations, qui sommes tout simplement d'entretenir cette flamme qui a été animée par mon aîné, dont je citais tout à l'heure mon Koumé. Mais quand nous parlons de l'excellence, quand nous parlons de l'intégration africaine, il fallait trouver une figure emblématique du sport africain. C'est pourquoi nous avons porté notre choix cette année sur quelqu'un que je n'ose pas vous présenter. Il s'agit d'Abdoulaye Sey Moro. Sur le plan sportif, comme tous les Saint-Ligiens d'époque, il a pratiqué divers sports, notamment la natation, le volleyball, l'athlétisme, mais c'est au basket qu'il a consacré sa riche et brillante carrière sportive. Juge des gens lui-même. Joueur de la Saint-Ligien, puis au foyer France, ensuite Dakar Université Club, avec lequel il a été sacré champion d'AOF en 1955. Arbitre international, président de la Fédération sénégalaise de basketball, avec à son actif 8 titres, dont 3 pour les hommes et 3 pour les femmes. Il a été élu vice-président de la Fédération, de l'association, président de l'association des fédérations africaines, la FABA, de 1993 à 1998. Il est élu ensuite vice-président de FIBA Afrique en 1994 et il deviendra président de 1998 en 2002. De 2002 à 2006, il va occuper les fonctions de président du Comité national olympique et sportif sénégalais. Convenez donc avec nous, chers sportifs, que l'AIPS ne s'est pas trompé en portant son choix sur l'Asie. Elle ne s'est pas non plus trompée, chers amis sportifs, en décidant d'honorer quelques-uns parmi nos membres, notamment Abdoulaye Dabo, qui, après de beaux et loyaux services, a décidé aujourd'hui d'offrir son savoir-faire à la Guinée voisine. Mais je peux aussi citer Mamoudou Diouf, qui a été l'un des plus grands secrétaires généraux de l'Association nationale de presse sportive du Sénégal. Il a aussi dirigé cette association pendant 2 mandats. Tout comme notre défunt confrère Mamoudou Bakary Traoré, Faure Alain Dao, Jérôme Diouf, dont tout le monde connaît la classe au niveau de l'entreprise. L'ANPS se souvient aussi de ces légendes de la presse sportive. Donc c'est tous ces membres, tous ces champions que nous voulons aujourd'hui remercier, honorer. Donc à tous ces champions, l'ANPS dit tout simplement bravo, bonne soirée, je vous remercie de votre invitation. Il a fait aimer. Et il aime tellement le sport qu'il a quand même tenu à venir. Absolument. D'apprendre encore une fois beaucoup de choses. On apprend toujours avec le président de la CI. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, c'est un bon moment. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'avais préparé un discours, mais n'ayant pas l'intention d'être long, je préfère le garder et vous dire quelques mots. Monsieur le ministre, je vous salue. Votre présence ajoute à l'éclat de la cérémonie. Je vous en remercie. Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basketball, je vous remercie et vous félicite pour tous les efforts que vous faites. Votre équipe, avec votre équipe, pour réinstaller le basketball sénégalais sur le piédestal sur lequel il était. Je salue toutes les autorités présentes selon leur rang, leur titre, leur grade ou leur fonction. Je les remercie tous d'être là ce soir. Généralement, dans ce genre de manifestation, le parrain
parler de lui-même, et ce n'est pas facile. Il doit faire sa biographie, ce n'est pas aisé. Mais heureusement, Adama Kanté l'a fait, et de façon très brillante. Donc, je ne le ferai pas pour moi-même. Par contre, je voudrais dire deux petits mots à nos sportifs. D'abord, qu'ils ne cèdent jamais. Car c'est en ne cédant pas qu'on accède aux étoiles. Deuxièmement, qu'ils respectent les lois et les règlements de leur pays, ainsi que les lois et les règlements de leur discipline. Je voudrais leur dire aussi qu'ils doivent être humbles, sérieux, et ne jamais chercher à humilier l'adversaire, même s'il a un genou à terre. Surtout quand il a un genou à terre. Je voudrais leur dire, pour terminer, que la victoire n'est jamais définitive, que ce soit sur soi ou sur l'autre. Tout est toujours à reprendre. Avec votre permission, je voudrais dédier l'honneur que la RPS me fait aujourd'hui à ma famille, à feu mon épouse, à mes enfants et pour tout ce temps que j'ai consacré au sport, à l'aide de vivant. Je voudrais aussi dédier cet honneur à la famille Morosey, à Saint, à Lille, et notamment à Baba Fursey, à Blaise, à Kromansey, qui m'ont inculqué l'amour du sport. Cet honneur, je le dédie aussi à la famille Tandakagay de Guetla. Je le dis enfin à la famille de Daoud Fall à Yolofen. Si vous prenez l'île, Guetla et Yolofen, c'est tout servi, c'est tout servi que je le dis. Je voudrais un bon Dieu. Je voudrais que les sportifs, le sport en général, mon pays, se termine et soit pratiqué dans un Sénégal de paix, dans un Sénégal qui va toujours plus haut, plus fort, plus loin sur la voie de l'émergence. Je vous remercie. Vous m'avez introduit, mais j'ai un différent que je dois régler et l'assistance est là. Je pense que les Sénégalais vont trancher. Parce qu'en matière de compétition, il n'y a pas de terrain gagnant. Vous avez été battu hier par nos amis gambiens et vous avez des comptes à rendre. Je vous l'ai dit hier, le Sénégal est dans une tangente. Cette tangente nous permet de remporter beaucoup de victoires. Ce n'est pas le moment d'ouvrir ou bien de jouer la carte de la teranga et de se faire battre ici au Sénégal. Et j'ai parcouru tous les journaux aujourd'hui, mais je n'ai pas vu cette défaite. Ce n'est pas un traitement équitable de l'information. Monsieur le Président de l'ANPS, mon jeune frère et ami Abdoulaye Diam, chers membres de l'ANPS, messieurs les présidents de fédération, le secrétaire général du Comité national olympique, monsieur le président de la Ligue professionnelle football, M. Saersek, cher ami, les représentants du CSG de lutte, cher roi des arènes, mon jeune frère Thomasel, bien évidemment il y a Franck, il y a Guigui, cher ami de la Gambie et du Mali. Chers membres de l'ECASA, chers membres du deuxième Gaillet. Chers amis sportifs, chers lauréats, chers invités.
Je voudrais tout d'abord, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, remercier les journalistes sportifs du Sénégal. Féliciter Abdoulaye Thiam, le président de la NPS, pour le travail que vous êtes en train de faire pour accompagner le développement du sport sénégalais. Les résultats dont vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est les résultats qui sont partagés par l'ensemble des acteurs parce que c'est des résultats positifs. Malgré certaines difficultés, nous avons été persévérants dans l'effort. Nous avons avancé malgré les obstacles. Et 2018 est une consécration pour le sport sénégalais. Je citerai tout simplement l'attribution des Jeux Olympiques de la jeunesse. Sans journalistes sportifs, les résultats du sport ne seront jamais partagés. Sans journalistes sportifs, les avis éclairés qui nous permettent de prendre de grandes décisions ne seront pas là. Donc nous avons compris que vous faites des alertes quand il y a dysfonctionnement, mais aussi vous relayez les excellents résultats du sport. C'est pourquoi le chef de l'État m'a donné des instructions depuis que je suis ministre des Sports, d'être à votre écoute. Essayez de vous accompagner pour réunir toutes les conditions requises qui vous permettent de faire correctement votre travail. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes sportifs. Pourquoi ? Parce que quand je vois un Sénégalais ou une Sénégalaise prêt à affronter les difficultés pour son pays, ce Sénégalais ou cette Sénégalaise, à mon avis, force le respect. Et ce respect-là, c'est ce que j'essaie tout le temps de vous retourner. J'ai vu cette année, à Madrid, une journaliste de la NPS qui a fait 2 jours dans l'aéroport parce qu'elle avait raté son vol. Elle n'est pas rentrée au Sénégal, elle a su attendre. Et elle est venue à Tenerife pour accompagner l'équipe féminine de basket. Il faut être journaliste sportif, il faut être sportif tout court pour pouvoir donner tout cela pour son pays. C'est pourquoi vous avez vu juste. Et je voudrais féliciter le parrain, le doyen Moro Abdoulaye. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple parce qu'en réalité, vous êtes généreux. Vous aimez votre pays, mais vous êtes sportif. Puisque le sportif, c'est un homme plein de vertus. Vous nous avez appris aujourd'hui que dans le sport, il n'y a pas de place pour la méchanceté. Il n'y a pas de place pour la médisance. Mais il faut se donner la main dans la solidarité et dans la générosité. Pour faire des résultats, pas pour soi-même, mais faire des résultats pour son pays et pour son peuple. C'est pourquoi je voudrais demander à l'ensemble de nos compatriotes de prier pour Abdoulaye, qu'il vive plus longtemps et qu'il soit sain d'esprit. Que la santé l'accompagne parce qu'on a besoin de lui. Et Dieu nous entendra parce que nous ne sommes pas en train de raconter des histoires. On tire ces mots de notre cœur. Et tous ceux qui sont là, je suis sûr, ressentent la même chose. Vous êtes notre fierté. Et je l'ai dit ce matin, dans un séminaire, bien dans une classe où il y avait des auditeurs, on parlait d'un thème investi dans le sport. La première réussite d'un pays dans le domaine du sport, c'est la générosité. Mais malheureusement, au Sénégal, on passe tout notre temps à faire des critiques et on oublie qu'on a une charge et on doit avancer. Et avancer, c'est faire le rôle de journaliste. Quand tout ça va, il faut le dire.
quand ça ne va pas, il faut alerter. Et se limiter à cela et avoir un seul objectif. Comment faire pour faire plaisir au peuple sénégalais? Comment faire pour vendre l'image du Sénégal? Je voudrais enfin remercier le président de la fédération. Je voudrais le dire parce que le Sénégal a la chance d'avoir de très fortes personnalités à la tête des disciplines sportives. Le sport n'est plus un jeu. Les résultats qu'on est en train de faire au niveau des instances internationales, que ce soit Ndiaye Ndiaye, que je remercie au passage, je félicite pour le travail abattu, que ce soit même le Saint-Saint-Gor au niveau du comité exécutif de la CAF, que ce soit le président Seydou Diouf, le président Babacar Ndiaye, Mohamed, tous ceux qui sont là. Vous avez besoin de l'appui du Sénégal et vous l'aurez. Vous l'aurez parce que le travail que vous êtes en train de faire, vous le faites pour votre pays. Et le pays doit être présent. En tout cas, ce sont là les instructions du président Macky Sall qui a engagé la bataille contre les manques d'infrastructures sportives, mais qui est en train d'être, en tout cas, le numéro un en Afrique, à croire au sport comme vecteur de développement. Pour terminer, je voudrais vous tirer le chapeau. Vous êtes un roi. Je prie pour que cette couronne dure plus et que les combats à venir aussi, même si c'est dans le domaine du sport, c'est le ministre qui parle, c'est le frère qui parle. Parce que tout le monde sait que c'est mon ami. C'est un ami qui m'accompagne partout, sans demander un franc. Il pouvait vendre son image, mais quand le drapeau de chef de l'État, même si c'est à Kolda, même s'il a un combat, il arrête tout, il est avec moi, en bravant la chaleur pour représenter la lutte, mais aussi faire plaisir au chef de l'État, mais rendre hommage à l'institution qu'il représente. C'est pourquoi je voudrais le féliciter. Je voudrais te féliciter et féliciter l'ensemble de la famille de la lutte. Nous avons traversé des zones de turbulence, mais heureusement, il y a un pilote qui ne perd pas la face et qui aime la pression et qui essaie, en tout cas, de retrouver une zone tranquille. Et cette zone tranquille, c'est pour vous, les lutteurs. Il faudrait vous donner la main, savoir que la lutte est un sport. Battez-vous pour le développement de cette discipline qui est un sport de chez nous. Et ensemble, comme le président vient de le dire, plus haut, plus fort et mieux pour le peuple sénégalais. Je vous remercie. Coach titulaire, Amédine Sy est absent. Peut-être c'est lié à ça. Amédine Sy n'est pas là. Alors, pour ce qui est des familles, un moment à immortaliser par nos chers photographes qui sont là. Merci beaucoup. Merci Moussa Cissé, le président de la presse sportive. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Tous les médias, tous les copains, tous les deux. C'est un peu plus de Louis Camara, représenté par Babacar Noël Ndoye, récompensé l'année dernière dans les coins de la presse. Dans les 4 ans, elles ont choisi Madame Kane et Madame Ndiaye comme marraine de la commission féminine de la MPS, Nadia. C'est formidable. La féminine était partie couvrir la Coupe du Monde en Russie. Voilà. Merci Aya. Merci Madame Kane. Merci beaucoup, mesdames.
accompagné Nadia par la musique traditionnelle du théâtre national, Daniel Sorano. Daniel Sorano. Et ce n'est pas tout. Ouais. C'est le vice-président de la fédération et président de la Ligue Pro. Je lis beaucoup hein, aussi. Ça, c'est pas les couleurs de Corée. Hein. U18 basketball masculin. Le BFH, voilà. Et on salue la présence du président de la fédération, Ben Babacar Diagne. Avec une... C'est le CNOS et justement. Je rappelle que c'est un comité. Et là, c'est la ville de Dakar. Tout le monde est là pour recevoir les récompenses. Donc, M. Khan, tu vas le remettre. Les deux autres trophées, il y a le plateau parce que ce sont les assistants. Voilà, elles sont ambitieuses. Comme quoi, le sport, ce n'est pas juste une question d'homme. Et Elhadj Malick Samba, pour l'autre, c'est Fatouma Dia. Va recevoir Fatouma Dia aussi arbitre. Maintenant qui est... Voilà, merci. Président du CNOS, la photo de famille, regardez les objectifs. Regardez là. On remercie au passage hein, le ministère des Sports. Merci beaucoup. Merci à toute la famille de basketball.